Bonjour à tous, ici Dago Dorwan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des lampes connectées de chez Xiaomi, donc de Yeelight plutôt. Donc la lampe couleur, donc j'ai pas encore ouvert la boîte, c'est le seul modèle que j'ai, sinon tous mes autres modèles j'en possède 4 et c'est que des modèles blancs parce que je n'avais pas l'intérêt à prendre le modèle qui changeait de couleur. Là j'ai décidé, comme j'ai le Google Home, de faire un autre serveur spécialement pour les lampes connectées. Pas les lampes que j'ai déjà installées sur le serveur chinois, mais d'autres lampes que j'achète ici pour les connecter. Donc ça fera deux services différents. Je vais déjà installer celle-là avec vous. Donc pour ceux qui attendent le détecteur d'incendie et de fumée, j'ai pas encore reçu la pile, donc ça va arriver. Tout ce qui est batterie, il faut savoir, ça met très longtemps à arriver, ça dépend le transporteur. Mais ça prend un peu plus de temps. Ouvrons la boîte, ce que j'ai pas encore ouvert. Donc la boîte, elle pèse quand même. Je suis étonné du poids pour une lampe. Comme j'ai pris en free shipping, donc sans suivi, là je vois que il n'y a pas le poids quand on prend en free shipping, sans suivi. Si on prend avec un suivi, là il y a le poids indiqué sur l'emballage. Donc, mais c'est pas grave, ça doit peser allez, 500 grammes. Donc j'ouvre la boîte doucement. Voilà. Hop. Donc. Bon, là le sachet est percé. Voilà, il est ouvert. Mais la lampe, c'est la lampe, elle pèse quand même. Elle est lourde. Hein. Donc ça sent la qualité. C'est beaucoup plus lourd que les autres lampes, les normes, les blanches, qui font que la lumière blanche. Celle-là, elle pèse vraiment. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc le petit manuel. Bien sûr, tout en chinois, comme d'habitude. Donc voilà. Et donc vous avez la boîte ici donc, qui s'enlève et ici bon il y a un truc en carton qui devait protéger voilà pour que ça donne pas de coup parce que c'est vraiment une belle finition donc je comprends qu'ils la vendent si cher. Moi je l'ai eu ici pour dans les 9 ou 10 euros. Aujourd'hui, vous la trouvez encore en promo à 14 euros. Vous pouvez suivre mes liens d'achat et aller sur mon blog, donc mon site internet Bon Plan, donc mon blog Bon Plan. Je le mets toujours en lien dans la description, sinon vous le trouverez en chipotant sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous allez voir dans la description, vous allez voir. Et là, je mets tous les bons plans, tous les accessoires et tout Xiaomi et d'autres choses chaque jour. En général, j'ai un ou deux bons plans. Et là, vous pouvez aller voir, c'est vraiment des prix imbattables. Sinon, je ne le mets pas. Et des choses que j'ai testées ou que j'ai vues chez des amis ou autres. Et n'hésitez pas à acheter via mon lien. Je les ai testées. Je ne mets pas des téléphones de sous-marque, etc. que je ne connais pas. Et que j'en suis sûr que vous allez être déçus. Donc tout ce que je mets c'est de la qualité. Si vous voulez acheter ce que je vois, donc je fais une petite parenthèse hein. Si vous voulez acheter par exemple un Huawei ou un Honor de la marque Honor, n'achetez pas en Chine, achetez-le directement en boutique en Europe parce que là vous allez avoir la garantie 2 ans, un suivi si vous avez un problème. N'achetez pas en Chine parce que le jour où vous allez avoir un problème, là, vous allez être embêté parce que le renvoi coûterait extrêmement cher si vous voulez le renvoyer en Chine, etc. Et jamais vous allez le faire. Et vous allez être sans téléphone un mois, deux mois, trois mois, si pas plus.
Donc achetez-le ici en boutique. Si vous voulez acheter un téléphone de marque, achetez-le en boutique. Et souvent, parfois même, vous allez l'acheter moins cher qu'en Chine. Parce qu'il faut, suffit de comparer. Mais un Honor ou un Huawei, vous l'achetez ici, vous avez la garantie, etc. Si vous tombez sur la bonne promo, vous allez acheter moins cher qu'en Chine. Donc, l'achetez pas en Chine, ça sert à rien, puisque eux, ils ont des boutiques et ils la vendent spécialement pour le marché européen. Donc, ça sert à rien que vous l'achetez de Chine. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, maintenant, je vais faire pause ici, parce que là, ça fait déjà 5 minutes. On va connecter la lampe et on va le connecter avec le Google Home aussi. Donc voilà, j'ai connecté la lampe dans ma lampe de salon. Donc vous pouvez voir, hein, vous la voyez souvent dans mes vidéos. Donc le premier allumage, c'est comme si qu'on recevait la lampe Yeelight blanche. Donc elle s'allume en blanc. Maintenant, connectons-la au serveur. Donc j'ai choisi le serveur de Singapour, celui des États-Unis. Là, vous pouvez connecter pas mal d'appareils. Le serveur européen, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour l'instant, vous savez que connecter l'aspirateur, la brosse à dents et une lampe Yeelight, pas les ampoules, mais leur truc spécifique Yeelight. La lampe de bureau, je pense, et aussi le scooter, non, pas le scooter, la trottinette électrique de Xiaomi, et un autre truc, je sais plus, mais bon, c'est pas des trucs pour la domotique, on s'en fiche carrément. Donc, pour l'instant, on est encore obligé d'utiliser le serveur chinois, et pour les lampes, le serveur de Singapour, soit le Singapour normal ou celui de Singapour des États-Unis. Pour plus d'anglais, j'ai choisi pour éviter que je suis sûr que ce soit 100% en anglais, j'ai pris celui-là des États-Unis. Donc, je vais encore faire pause, je vais prendre. On va regarder au niveau de l'application pour se connecter. À tout de suite. Donc voilà, nous voilà sur l'application. Donc là, je suis sur le serveur de Singapour, des États-Unis, hein. Donc quand vous allez sur ce serveur-là, il vous conseille d'aller sur celui des États-Unis directement. N'y allez pas, vous savez, ils disent qu'ils ont rajouté de nouvelles choses, mais c'est encore pire que le serveur européen. Donc il y a encore moins de choses. Donc en attendant que Xiaomi s'installe en France, par exemple, parce que là, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils vont s'installer en France. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de choses sur le serveur de Singapour. Donc, vous avez tout ce qui est les lampes. Donc là, vous la voyez, hein, Yeelight Color, tout ce qui est purificateur, les caméras, le Mi Home au niveau de la caméra, donc la Mi JA, donc le Mi Scooter, même les baskets, la brosse à dents, la caméra d'action qui est connectée apparemment aussi. Ça, je ne savais pas. Donc petite parenthèse, j'avais cette lampe connectée, mais qui fait que Bluetooth, hein, n'est pas en Wi-Fi. C'est l'ancienne lampe qui était connectée où j'ai remis. Donc celle-là aussi, elle fait pas mal de couleurs, elle est sympathique à utiliser. Elle a même un haut-parleur intégré. Donc je l'avais acheté 20 €. Elle fonctionne, ça fait 2 ans, elle fonctionne toujours nickel. On les retrouve encore sur AliExpress dans une vingtaine d'euros encore, ça n'a pas baissé de prix. Je les ai vus aussi à l'aéroport de Dubaï et aussi à une vingtaine d'euros hors taxe, hein. Donc voilà, donc je ne sais pas où je vais la mettre pour l'instant. Hop, que je ne vais pas tout tomber. Donc voilà, donc connectons la lampe, voyons si ça va fonctionner directement. Donc il faut que je resette la lampe. Donc je vais aller allumer et éteindre. Donc pour resetter la lampe, c'est simple, il suffit d'allumer et éteindre 5 fois. Et là, elle m'a fait, elle s'est allumée en plein de mode de couleur. Donc on va retourner ici. Hop. Donc je ne sais pas s'il va le retrouver en scannant. J'ai eu un problème aussi hier soir. Tous mes appareils se sont déconnectés.
Donc, je ne sais pas pourquoi. Ce matin, j'ai au niveau de mon tableau électrique, j'ai tout éteint, j'ai tout rallumé et ça a fonctionné. Si ça vous arrive, éteignez toute votre électricité, bah, éteignez tout ce qui est prise hein, et reconnectez. Bon, apparemment, il ne le reconnaît pas. Donc là, il va scanner. Ah là là. J'espère qu'elle est facile à connecter. Qu'on reste pas 1 heure ici pour une lampe. Donc je vais faire pause, sinon je vais encore manquer de mémoire. Ce que j'utilise parce que pour le son et pour la vidéo, c'est mieux mon ZTE Axon Elite. Donc je vais faire pause et je vais regarder pour la connexion. Donc voilà, j'ai resetté une deuxième fois. La lampe était repérée tout de suite cette fois-ci. Donc je vous ai quitté que 20 secondes hein, ici. Donc le problème aussi Xiaomi, c'est que bah, ils ont pas encore en 5 GHz hein, les connexions. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je l'ai connecté. Donc il y aura encore sûrement plein de mises à jour. J'ai reçu 2 mises à jour déjà pour les caméras, les Xiaofang, aujourd'hui. Souvent en 3.3. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, sûrement des choses pour la stabilité, etc. Mais c'est vrai que ces caméras, c'est les petites caméras carrées que je parle. Et j'en ai deux pour ceux qui savent pas. Et ces deux caméras, c'est vrai que la qualité d'image, comparée aux autres, comparée à celle-là par exemple, que j'ai payé 12 euros, aujourd'hui vous les trouvez encore à 14 euros. Regardez sur mon blog, vous allez les voir aussi. Et moi je conseille ceux-là, hein, ils sont parfaits pour le prix, n'hésitez pas, ou pour le double du prix ici. Celle-là, elle a un détecteur de suivi. Ok, on va reconnecter. Donc voilà. Mais je conseille, hein, je conseille 12 euros. N'hésitez pas, faites-vous une installation avec ça. En plus, les nouveaux modèles, vous allez avoir l'heure européenne avec ceux-là. Donc même si tout est en chinois, moi, celle-là, quand ça enregistre, c'est directement en heure européenne. Les autres aussi, je les ai en heure européenne, sauf que quand ça enregistre, ok, c'est en heure européenne, mais quand on regarde la vidéo en direct, vous voyez l'heure chinoise. Bon, actuellement, c'est pour ceux qui ne savent pas, les Chinois, ils ont 7 heures de plus que nous. Pas 6, mais 7, parce qu'avec notre changement d'heure. Voilà, donc là, ça met un peu de temps à se connecter. Je sais pas pourquoi il veut pas se connecter. Donc je vais faire pause et quand ce sera connecté, sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, me revoilà. Donc là, vous voyez, c'est connecté. J'ai changé d'appareil parce que si ça veut pas se connecter, c'est pas forcément la lampe ou c'est pas forcément la lampe. Donc là c'est le PPTV King, donc ou le PP 6000 et bah, téléphone chinois hein, donc ils ont des défauts de ROM etc. Donc même chose avec le ZTE ZTE Z7 Max, c'est le Z7 Max, je revenais plus sur le modèle. Même chose, voulait pas se connecter. J'ai pris la tablette Nvidia Shield, hein, bah ouais. Eux, ils regardent à fond sur leur ROM, sur le Bluetooth surtout. Donc là, vous voyez, c'est connecté. Donc si je veux l'éteindre, j'éteins la lampe. Voilà, elle a mis un peu de temps à s'éteindre. Si je l'allume, elle s'allume. Faisons un tour dans l'interface. Ouais, vous inquiétez pas, c'est le téléphone qui sonne. Donc, je sais pas si. Donc là, vous voyez correctement, ça va, parfait.
Donc là, si je vais dans couleur, bah là, ce qu'on voit à la lampe, attendez, je vais faire pause et comme ça je vais vous montrer correctement. Donc voilà, comme ça on peut voir l'ensemble, comme ça vous voyez un peu l'éclairage ici. Donc là, on peut augmenter ou diminuer l'intensité. Donc j'espère que vous voyez correctement. La couleur, comment on peut changer la couleur? Donc là, c'est blanc. Vous voyez, ça a changé tout de suite de couleur. Et comment on change? Ah, voilà. Donc, horizontal pour changer, on voit le taux ici. Donc si je veux la mettre en bleu, bleu vert. Donc voilà, bon, j'ai dû changer d'appareil, hein, donc mémoire insaturée comme d'habitude. Donc on en était au niveau des changements de couleur. Donc j'essaye de vous le montrer correctement. Voilà. Ça en même temps que je fais le mouvement. Voilà. Okay. Un petit décalage hein, quand même. Voilà. Hop. Ici. Voilà, donc comme ça vous avez vu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'application? Donc l'éteindre, bien sûr. Je vais remettre sur une couleur plus vif. Je vais remettre en blanc. C'est bien, ils ont mis une touche directement blanche. Parce qu'on peut régler l'intensité de la lumière. Et on peut régler la blancheur. Donc on peut la mettre plus jaune ou plus blanche. Donc ça c'est très bien parce qu'on peut la régler. Je sais pas, j'ai pas regardé si j'étais trop penché ou pas. Donc ici vous voyez, donc soit blanc ou plus jaune. Donc ça dépend, hein, ça fatigue moins. Donc je pense qu'il doit avoir des scènes. Donc ici on voit encore. Donc on peut faire des favoris, ce qui est bien. Des snaps, c'est quoi des snaps? Ok, donc on peut filmer. Bon, apparemment on peut faire une photo. Ok. Bon, on revient ici. Le flow, c'est quoi le flow? Le flow. Le flow, c'est la vitesse de réaction, on dirait. Ah non, c'est le flow, c'est au fait, c'est tout simplement le changement de couleur. Donc ça change automatiquement de couleur. Et on peut régler ici la vitesse du changement de couleur. Donc horizontalement, comme ici. Et l'intensité de la lumière, comme ici. Donc voilà. Donc ça c'était le flow, on peut allumer, éteindre. Vous voyez, pratiquement instantané. Allumer, voilà, elle est rodée maintenant, c'est pratiquement instantané. On peut mettre quoi ici? Le nom. Et dans les paramètres, sleep timer, donc on peut régler l'heure. Light will be off. Donc on peut régler combien de temps on veut que la lumière elle reste allumée. Défaut. Ah ouais, donc ça c'est défaut si on veut qu'elle reste allumée ou éteinte quand on remet l'électricité. Ok. Donc là vous voyez il y a une mise à jour. Donc là je peux changer le nom. Donc je vais mettre lampe salon couleur, ça je repère un peu. Après, donc j'en ai qu'une lampe, donc on va mettre à jour. Je vais faire pause. J'espère que vous avez vu correctement. Donc je vais faire pause et je vais procéder à la mise à jour et on se revoit. Donc voilà, j'ai changé d'appareil. Maintenant, on va le connecter au Miome.
Donc l'assistant Google. Donc là, vous allez dans vos appareils, hein, vous faites sur le signe plus. Je sais pas, je vais vous le remontrer. Plus. Donc j'ai dissocié, j'avais déjà un compte, je l'ai dissocié parce que j'avais enlevé la lampe, c'était juste pour essayer. Donc vous allez tout en bas, vous allez trouver Yeelight, Yeelight Action. Vous cliquez sur Yeelight Action. Donc là, ça va aller sur notre compte. Il met du temps à se connecter. Donc là, il s'est connecté. Et j'espère que ça va fonctionner avec le serveur, parce que j'ai pas pensé à ça, parce que j'ai pris le serveur américain de Singapour, mais j'ai pas pensé est-ce que ça va marcher également. Bon, on va regarder ça, sinon je devrais recommencer les démarches au niveau reconnexion. Donc ça se connecte à mon compte. Donc je vous mets un peu la caméra plus bas hein, pour pas que. Donc apparemment, elle a reconnu tout de suite la lampe. Donc ça marche. Donc n'hésitez pas à prendre. On va mettre salon. Voilà. Terminé. Donc n'hésitez pas à prendre alors le serveur Singapour États-Unis. Donc ça fonctionne. Il a reconnu la lampe. Il s'est bien connecté. Bien sûr, dans Yeelight, choisissez bien le serveur de Singapour. Donc voilà, donc il est connecté maintenant. Aucune pièce attribuée. Donc maintenant, il faut attribuer une pièce à la lampe. Donc salon. J'espère que je vous ai bien montré. Voilà. Donc voilà, c'est tout est attribué. Maintenant, je peux quitter. On fait un focus sur le Google Home. Dis Google, allume la lampe du salon en bleu. Très bien, je change la couleur pour la lumière lampe salon couleur sur bleu. Est-ce que ça a fonctionné? Bon, ça n'a pas fonctionné. Dis Google, allume la lampe du salon. Faut peut-être dire que l'allumer d'abord, peut-être. Compris, j'allume la lumière lampe salon couleur. Ok, donc il faut l'allumer et après. Dis Google, mets la lumière bleue dans la lampe du salon. Compris, je change la couleur pour la lumière lampe salon couleur sur bleu. Donc il a bien compris, hein, même si j'ai un peu bégayé. Donc je vous montre, voilà. Donc à l'écran, c'est bien bleu, hein, vous le voyez le contour. Sinon, la lampe, bien sûr, à l'image, on voit qu'elle est blanche. Dis Google, allume la lampe du salon en rouge. Ok, je change la couleur pour la lumière lampe salon couleur sur rouge. Dis Google, mets la lampe du salon en jaune kaki. Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça, mais j'apprends encore. Donc, mets la lampe du salon en kaki. Dis Google, mets la lampe du salon en kaki. Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider, mais mon équipe m'aide à apprendre. Donc, je suppose que si on utilise des termes spécifique, il va pas reconnaître. Dis Google, mets la lampe du salon en magenta. Ok, je change la couleur pour la lumière lampe salon couleur sur magenta. Donc, il connaît quelques termes au niveau des couleurs, ce qui est bien. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Sûrement. Donc voilà, donc comme ça vous pouvez voir avec le Google Home. Dis Google, éteins la lumière du salon.
compris. J'arrête la lumière, lampe salon, couleur. Donc voilà, vous avez vu comment installer, configurer la lampe Yeelight couleur et l'utiliser avec le Google Home. Donc c'était Dingo Dorwan, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Abonnez-vous bien sûr.